Tu vas avoir du mal là. Comment vas-tu? Salut, très bien. Les gens vont payer en fait 14 euros le panier. 1 kg de terre, 150 de carottes, 150 de pain, 150 de riz, 1 kg de blé, une bonne de radis, 750 de. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour, enchanté. Bien, vous êtes à Beauvais, c'est ça ce qu'on me disait? Oui, Nord-Beauvais, oui. Nord-Beauvais. Oui, oui, enfin 25-30 km nord-ouest exactement. Nord-ouest de Beauvais. Picardie verte. Et comment vous avez été branché avec les argentoniers alors? Ça s'est fait comme ça, de bouche à oreille. Et entre communication entre producteurs, parce que entre nous, entre producteurs bio, il existe encore une certaine solidarité qui n'existe beaucoup dans le monde agricole, classique quoi. Et puis voilà, tout s'est construit comme ça, et puis bah, voilà, de notre présence aujourd'hui. J'ai profité de l'occasion pour vous offrir un panier bio. Vous êtes passé à combien d'hectares? Vous avez diminué votre nombre d'hectares? Non, non. La ferme est restée telle que, mais ce qu'il y a, j'ai transformé 40 hectares de la ferme en bio. J'ai embauché 6 personnes. D'accord, avec les revenus générés par le fait de court-circuiter tous les intermédiaires. Par les paniers, et j'ai gardé mon fils sur l'exploitation. C'est très gentil, voilà, merci à vous. Les légumes de saison. Bon, voilà, c'est les premières courgettes. On les a cueillies exprès pour vous. Hein. Il n'y en a même pas aujourd'hui pour le. C'est vrai. Dans 8 jours, je vais faire des genoux, je vais faire tout, là. Il y a aussi un marchand de fromage qui vient de l'étangeur, qui vient d'un. Fromage bio, oui. Fromage bio, bien ouvert. Au Vert-sur-Oise. Oui. Au Vert-sur-Oise, c'est pas très bon, je veux dire. C'est pas le producteur bio qui va être compliqué. Il faut d'abord qu'on ait bien la problématique de la maîtrise foncière. Ça, c'est compliqué. D'accord. Nous, tout ce que vous avez aussi au sein des associations, vous pouvez aussi utiliser. Jusqu'à présent, on a envoyé un nombre de courriers, aussi bien le ministre de où on a parti pour l'instant de je viens, on m'a bien pas invité. Je viens en disant, ça m'intéresse, je veux voir ce qu'ils font. Ce que j'ai dit, ce que j'ai déjà dit, j'ai pas lâché l'affaire. Le cal, je viens qu'on regarde. Okay. La difficulté, c'est que j'ai plusieurs dizaines de demandes de locaux, de tout type. Donc, voilà. Et qu'il faut des locaux très adaptés. Il faut des locaux adaptés. Une proposition qu'il faudra un local un peu plus grand, voilà. Je suis convaincu que, vu le nombre d'Argentuiers qui sont intéressés par ça, l'évolution de la population d'Argenteuil, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire vivre 3 maraîchers ou 2 maraîchers sur cette partie-là. Je reste un peu parce que moi, il faut que je file voter et demander là. Et puis après, j'ai le conseil communautaire. Vous ne connaissez pas la dernière? Le maire était avec des navets et des nouvelles courgettes. Voilà. Je vais te dénoncer. Hein? Salut. Au revoir. À bientôt. Je vais revenir un peu plus. Ouais.